je fais aussi partie de la marche des coachs pour la terre-mère de Coup de pas chez nous. En fait, la fondation, la nouvelle fondation qui a été mise sur pied Coup de pas chez nous avec la belle levée de fonds qu'on a eue cette année. Puis, je suis aussi membre fondatrice du collectif Le Mur de femmes contre les oléoducs et les arbres bitumineux. Je suis contente d'intervenir ce matin à mes ateliers parce que je voulais placer un peu en fait la question des luttes environnementales dans le mouvement, dans tout ce mouvement-là qu'on essaie de créer, puis ben, cette belle convergence-là qu'on veut mettre en place. Le mot que j'ai entendu le plus souvent cette année, même je suis allée à une réunion d'un groupe qui travaille sur la question des arbres bitumineux en Colombie-Britannique, puis c'était là aussi très à la mode, c'était intersectionnalité. Je trouve ça le fun qu'on essaie de faire tous ces liens-là cette année dans les mouvements, notamment à l'intérieur de nos propres mouvements, puis ensuite vers les autres mouvements. D'ailleurs, dans le mouvement environnemental, présentement, il y a beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup de défis dus à une multitude de réalités. Le mouvement est composé de personnes multigénérationnelles. Il y a beaucoup de personnes allochtones et de personnes autochtones. Donc, on travaille beaucoup la question de ces liens-là avec les peuples autochtones, puis avec les personnes allochtones ou les personnes autochtones qui vivent hors réserve aussi. Il y a aussi, le mouvement est composé aussi beaucoup de citoyens. Hein. Je pense que vous l'avez vu avec le mouvement de Coup de pas chez nous, la coalition Vigilance Oléoduc, le RVHQ, le regroupement Vigilance Hydro-Carbures Québec. Donc ça, c'est des groupes citoyens très actifs sur le terrain, mais aussi les grandes organisations environnementales dans la lutte présentement, notamment, en fait, cette année, on a beaucoup axé sur la lutte contre les oléoducs, le transport des hydrocarbures par les différents modes de transport, train aussi, est venu se mettre sur la sellette, puis aussi la question du transport par navire, toute la question des sables bitumineux et l'exploitation des hydrocarbures, donc au Québec notamment, mais aussi les sables bitumineux qui viennent de l'Alberta. Alors, c'est pas mal notre grand terrain de lutte cette année. Puis en fait, une des questions qui me vient quand je vois comment on a travaillé fort, puis comment on essaie de construire des ponts avec les autres luttes, notamment cette année, il y a des ponts qui ont été créés sur la lutte contre l'austérité, aussi avec le mouvement des femmes, comme je disais aussi avec le mouvement autochtone. Mais comment faire pour travailler ces alliances-là dans l'urgence? Parce que souvent, en fait, on essaie de suivre l'actualité, tout ce qui se passe dans les différents projets. Donc, par exemple, juste pour donner un exemple, hier, il y avait une manifestation à Mirabel qui était organisée par des comités citoyens sur le terrain contre la question des tests. La façon dont les tests hydrostatiques se font dans le léoduc présentement. Et la manifestation s'est organisée en l'espace de 4 jours. Donc, comment on fait toute cette urgence-là pour à la fois lutter sur le terrain puis créer des ponts avec les autres mouvements et le faire dans l'intersectionnalité? En tout cas, tout ça, c'est pas mal un des enjeux présents. Ensuite, je voulais aussi dire, les 3 champs de lutte cet automne, au niveau plus de lutte en profondeur, je dirais, là, c'est la lutte contre l'austérité, évidemment les élections fédérales, et puis aussi on a la conférence de Paris sur les changements climatiques qui s'organise, donc la COP21. Donc, les mouvements environnementaux, c'est pas mal, leurs 3 champs de lutte présentement, à la fois en faisant ça et à la fois en luttant sur le terrain contre tout ce que je vous ai dit là. Alors, ça mobilise vraiment beaucoup.
Puis, je voulais juste placer un petit peu des grandes dates qui se dessinent présentement dans cet automne chaud. Parce que je le sens, c'est pas seulement dans le mouvement environnemental, c'est dans tous les mouvements, là, c'est vraiment un automne chaud. Puis même, je vous dirais, quand je suis allée à Colombie-Britannique, tous les groupes qui venaient de tout le Canada, puis même de certains endroits des États-Unis, nous disaient qu'eux autres aussi, c'était très chaud cet automne. Évidemment, notamment pour les élections fédérales, là, mais pas seulement. Alors, présentement, on est en train de voir l'organisation avec notamment la coalition ECO, donc étudiants contre les oléoducs, à une grande manifestation probablement à Montréal et probablement le 10 octobre. Donc, c'est tout en train de discuter. Ensuite, on est en train aussi de préparer pour ceux qui étaient peut-être à l'atelier hier sur le féminisme aujourd'hui, on a parlé de la Marche mondiale des femmes 2015. Et le 17 octobre s'organise à Trois-Rivières la marche finale, donc un événement qui met fin à la Marche mondiale des femmes 2015. C'est pas tant le mouvement environnemental qui est là-dedans, mais avec le mur de femmes contre les oléoducs, on peut participer à ça. Donc, il y a des personnes du mouvement environnemental qui vont participer. Aussi, bon, il y a des élections qui s'organisent en octobre. Et puis, fin novembre, on veut, entre les élections et la conférence de Paris sur les changements climatiques, mobiliser la population québécoise en vue de la conférence de la COP21. Donc, il s'organiserait probablement là aussi une manifestation, probablement à Ottawa, dans une date à déterminer. Mais c'est ce qui se discute présentement dans le mouvement. Alors, comment, à travers tout cet automne chaud, faire les ponts avec la coalition Main Rouge, avec les autres mouvements? Donc, c'est un des gros défis. Puis, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour pouvoir en parler avec vous, puis pouvoir faire ces ponts-là. Merci.